bien sûr que nous voulons être ici aussi pour donner notre soutien à Action Non Violente COP21, pour exiger que les accords de Paris soient d'autant plus respectés qu'ils ont été signés à Paris et que le président Macron n'en fait rien du tout. Je vais commencer par vous lire un texte, celui de Dominique Bourg, Urgence écologie. Compte tenu de l'inaction des autorités publiques nationales, certaines sciences, climat, biodiversité, ou simplement les personnes qui veulent s'en réclamer, sont devenues politiquement radicales. Symptôme d'un dysfonctionnement majeur. Autrefois étaient radicaux ceux qui remettaient en cause le système des démocraties représentatives, les extrémistes politiques. Désormais sont devenus radicaux aux yeux de ceux qui défendent le système, ceux qui veulent simplement qu'on puisse continuer à vivre sur Terre. Il y a donc bien un problème du côté des défenseurs du système lui-même. Ils sont devenus fous et dangereux pour le maintien de la possibilité de vie sur Terre. Décrocher le portrait du président de la République, c'est attirer l'attention sur cette dérive, sur le fait que les institutions ne jouent plus leur rôle. Et personnellement, j'ajouterais ceci, ces décrochages, ou plutôt ces enlèvements sans autorisation qui ont été reconnus en état de nécessité, a dit le juge de Lyon, ils ont eu lieu dans des mairies, car c'est là que tout commence, sur les territoires au plus proche des habitants, là où les missions fondamentales de nos institutions démocratiques deviennent concrètes. Défendre et renforcer le tissu humain de solidarité, de santé, d'éducation, de justice, de liberté, d'égalité et de fraternité. Loin d'être une attaque contre ces institutions précieuses, il faut donc voir ce geste comme sous l'angle de la nécessité et de l'urgence après 50 ans de surdité et d'aveuglement. C'est un geste qui en appelle instamment à l'action résolue de nos représentants contre la prédation, la pollution et la dégradation continue de la terre que nous habitons. Décrocher le portrait du mur d'une mairie, c'est aussi attirer l'attention sur ce mur derrière le portrait. Regardez-le, ce mur, il est nu et les maires sont démunis. Où sont les budgets pour faire face aux risques majeurs qui nous attendent? Où sont les postes? Où sont les emplois? Où sont les personnels? Où sont les recrutements? Où sont les formateurs? Où sont les moyens pour tout ça, hein? Donc rendez-vous au municipal en mars prochain. Ouais.